Nous avons vérifié tout le campus, mais ils sont introuvables. Nous avons fouillé dans tous les coins et il n'y a aucun signe d'eux. Hein ? Comment ça, aucun ? C'est étrange. Où aurait-il pu aller ? C'est bon, on se calme. Pas de panique, nous allons les retrouver. Avez-vous cherché dans la salle de bain ou vous avez passé des heures à vous maquiller ? On a réellement cherché. Et les vestiaires ? Avez-vous cherché là aussi ou vous avez passé des heures à bavarder ? Mandy, nous avons réellement regardé partout. Arrête de faire la maline. J'aurais préféré que ce soit vous qui disparaisse à leur place. Quoi ? C'est toi qui aurais dû disparaître ! Garce. Génial ! Maintenant, il y a une chance d'entrer dans l'équipe d'Amina et ainsi de devenir une des filles populaires du campus. Ponia, j'espère que t'es pas sérieuse et que tu vas pas rejoindre leur équipe. Ça ne te regarde pas. Et si ils étaient coincés dans l'ascenseur ou s'ils avaient manqué le bus ? Ce serait horrible ! Nous devons les retrouver tout de suite et vite ! Mia, il n'y a pas d'ascenseur. Ils vivent dans une maison privée et ils ne prennent pas le bus scolaire pour se rendre au campus. Ah, alors tout va bien, j'imagine. Et tout le monde, j'ai trouvé ce crapaud sur la route aujourd'hui. Vous voulez le voir ? Il est cool ! Ouais, montre-le. Arrête un peu tes conneries, c'est même pas vrai. Prouve-le alors. Ouais, Bobol, on veut le voir de nos propres yeux. Regarde bien alors. Maman, c'est un vrai crapaud ! Pourquoi vous vous dégonflez ? N'ayez pas peur, elle est gentille. Je lui ai même donné un nom. Dora. Ma petite Dora. Je comprends tout maintenant. Je sais où sont Camille et Amina. Ils ont disparu parce qu'il y avait une pleine lune hier. Tout est mystique. Oh mon Dieu, nous allons tous disparaître. Ou même peut-être que le crapaud Dora, c'est vraiment Amina et qu'elle s'est fait ensorceler. Mais vous êtes folle. De quoi vous parlez? Vous vivez dans un conte de fées ou quoi? Ouais, il existe rien de tel dans la vraie vie. Eh ben, c'est vrai! Chère Dora, j'ai eu le coup de foudre pour toi dès que je t'ai vue. Milana, et si c'était vrai que le crapaud était réellement Amina? Steph, du calme. Bobol, peux-tu remettre ce crapaud dans ton sac? On a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ta petite Dora. Bobol, je te donne 100$ si tu embrasses ton crapaud Dora sur les lèvres. Toi, embrasse-la sur les lèvres, et je te refilerai un chewing-gum après. Ouf. Bobol, range-moi donc ce crapaud, et ne t'avise pas de l'emmener au campus demain, c'est interdit. Mais Monsieur Max, elle est si mignonne et potelée, tout comme moi. Assez discuté, Bobol, range-la. Et restez calme, vous, nous retrouverons Camille et Amina à coup sûr. Mais assez de votre sorcellerie et de pleine lune et des trucs comme ça. Max ? Tu ne crois pas à la sorcellerie ? Bien sûr que non. Ma chère Dora, je ne te laisserai plus jamais toute seule. La seule chose qui nous manquait ici, c'est un crapaud. Mandy, tu sais quoi ? Elle te ressemble drôlement. Qu'est-ce que t'as dit, toi ? Pence, t'as vu cette chose dégoûtante ? Ouais, j'ai vu. C'est glissant et dégoûtant et bleh ! Arrêtez les filles. Quoi encore ? Je sais où se trouvent Amina et Camille. Sérieusement ? Ouais, mais je ne vous le dirai pas. Laura, est-ce que tu sais que lorsque tu touches un crapaud, tu auras des verrues sur les mains le lendemain ? C'est dégoûtant ! Oh, les verrues, c'est absolument flippant ! Aucun garçon n'aime ça ! Les filles, on se bouge, on a un entraînement ! On arrive, Bonia, on arrive ! Laura ? C'est un nouveau blouson, ça ? Il est très joli ? Oui, je l'ai acheté hier. Merde, Steph ! Camille ne répond pas ! Amina non plus. Peut-être qu'ils ont simplement décidé de sécher, pour ne pas avoir à passer le test. Steph, Camille me l'aurait dit. Et si c'était leur réveil qui avait fait défaut ? Et qu'ils ne s'étaient pas réveillés ? Quoi ? Et que deux réveils aient brisé en même temps ? Quoi qu'il en soit, nous devrions faire une annonce et la distribuer à tous les adolescents du campus. Pourquoi faire, Milana ? J'ai vu ça dans un film, que lorsque quelqu'un se perd, on doit faire une affiche et on le retrouve très rapidement. C'est facile. Les filles, si vous voulez, nous pouvons vous aider à les retrouver. Ouais, nous sommes vos copines. Nos copines ? Je dois avouer que même si elles m'énervent, on devrait faire équipe à ce point-ci. Nous acceptons. Vous voulez nous aider à distribuer les annonces sur le campus ? Comme dans les films ! Bien sûr, nous le ferons.
Ok. Cathy, mais tu en mets du temps. Je peux entrer, s'il te plaît. J'arrive bientôt, mon petit tigre. Encore quelques minutes. Max, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les toilettes des filles, ici. Oh merde! Mais qu'est-ce que Monsieur Max fait ici? Cathy, est-ce que c'est un nouveau rouge à lèvres, ça? Max, tu es si perspicace. Je l'ai acheté hier spécialement pour toi. Il est à la fraise. Oh, je peux l'essayer, s'il te plaît, Cathy. Max, tu veux dire que tu veux essayer mon rouge à lèvres? Mais pourquoi Monsieur Max voudrait mettre du rouge à lèvres? Ça me semble ridicule, il est fou. Très bien, alors essaie-le. Je suis sûre que ça sera ravissant sur toi. Oh, il va y avoir un baiser. Dommage que je puisse pas le voir. Non, Cathy, c'est ça que je veux. Oh merde. Dylan? Mais qu'est-ce que tu fais ici dans la toilette des filles? Bah, je pourrais vous demander la même question, Monsieur Max. Moi? Moi? Eh bien, je vérifiais si les toilettes étaient propres. Un peu de poussière, mais ça va. Sors d'ici. Oh bon sang, ce contenant est là depuis un an ou quoi? Dégoûtant. Oh, j'aime bien le cola, moi. Jack! Pourquoi fouillez-vous dans le casier de quelqu'un d'autre? Et en plus, vous avez volé un cola! Non, Max m'a donné pour mission de trouver Camille et Amina, donc je les cherche, c'est tout. Eh bien, il n'y a définitivement pas de Camille ou d'Amina dans ce casier. Vous feriez mieux de nous aider à distribuer les affiches, plutôt que de fouiner dans les casiers des autres. Pas de problème, je suis officier. J'ai donc l'habitude de passer beaucoup d'annonces à la recherche de criminels. J'ai même réussi à les trouver. Fascinant! Oh! Nous devrions écrire une récompense de 1 million de dollars. Chuck, t'es pas sérieux? Où allons-nous trouver 1 million de dollars? On va tricher. Ils les trouveront et on ne leur donnera rien. Ah, je suis un génie, moi. Quelle idée. Ce n'est pas bien de tricher. Ouais, on ne fera pas ça, Chuck. Détendez-vous, je faisais plaisanter. Et un, et deux, et trois... Chris, je t'ai dit de ne jamais frapper avec le bras droit. C'est bien trop faible. Mais j'ai toujours été plus à l'aise avec ma main droite. Eh bien, c'est pour ça que tu es toujours en train de perdre. Et un, et deux... Quel beau travail, les filles. Ok, les joueuses de tennis. Nous avons besoin de votre aide aujourd'hui. Les filles, vous avez entendu ça? Le béguin du campus a tout à coup besoin de notre assistance. Nous avons décidé de faire équipe et de chercher Camille et Amina ensemble. Et vous devez nous aider. Nous ne devons rien à personne. Ouais, et qu'est-ce qui vous fait penser que nous allons vouloir vous aider au juste, hein? Parce que nous sommes tous sur le même campus. Et le campus, au cas où vous l'auriez oublié, est une grande famille. Très bien. Dites-moi de quel genre d'aide vous avez besoin de la part des joueuses de tennis. Nous voulons distribuer une affiche de disparition. Très bien, alors. Merci. On dirait que pour une fois, les joueuses de tennis vont être utiles. Les filles, vous avez vu? Elles sont venues nous voir pour nous demander de l'aide. Ça veut dire qu'on est cool. Ok, on continue à s'entraîner maintenant. Et un, et deux... Encore, oui, c'est ça. Et un... Ouais, mec, j'ai marqué un but. Bon, c'est bon, Goofy. Pas besoin de te vanter. Dora, regarde-les un peu. Quels imbéciles, hein? Bobole, laisse ce pauvre crapaud tranquille. Elle te comprend même pas. Ouais, alors pourquoi tu l'importunes de la sorte? Les filles, c'est mon crapaud et c'est moi qui décide si je l'abandonne ou pas. Et où tu vas le garder, au juste? N'importe où, sur le campus? Bobole, tu sais qu'en France, ils mangent les cuisses de grenouilles? Ouais, c'est un mets délicieux là-bas. Oh! Je donnerai pas ma Dora aux Français! Elle est à moi! Et toi,
Va afficher toutes ces annonces sur le campus aujourd'hui, et si on les retrouve, tu auras $1 million. C'est bon les gars, je vais les poster toutes moi-même. Je vais les retrouver et j'aurai $1 million très vite. Merci bien mec, j'apprécie. Dylan, t'as pas besoin $1 million, nous jouons au foot. Nah, laisse tomber. Hé hey Dora, ma petite Dora, la plus belle des Dora. Sors d'ici toi, tu effraies mon crapaud. Les amis, aidez-nous à trouver Camille et Amina. Écrivez dans les commentaires où ils pourraient se trouver. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur la cloche et attendez nos nouveaux épisodes. Et bye!